Yo la mif, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un classique de YouTube. Les anciens connaissent. C'est le boyfriend tag. Et du coup, comme ça, ça vous permettra un peu plus d'en savoir sur nous. Donc moi, j'ai les questions. Adrien, il ne les connaît pas. T'as déjà regardé un boyfriend tag? Un seul. Je sais pas si vous étiez présent sur Insta. On avait dit qu'on allait sortir une vidéo tous les dimanches ou tous les mercredis. La majorité des personnes ont voté pour le dimanche, donc tous les dimanches maintenant on va sortir une vidéo, soyez là. Du coup, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, elle n'est pas encore passée, donc je vous laisse attendre la fin. Mettez un pouce bleu. Et pour finir, mettez des commentaires. Partagez la vidéo, la totale. Hey, on est ensemble. Bon, c'est parti. 1, 2, 3, let's go. On va voir si t'es un bon copain. En fait, c'est quoi? C'est un test? C'est un boyfriend tag. En gros, c'est les couples qui font ça. En gros, pour savoir si toi tu connais bien le couple, tu me connais bien et tout quoi. Le couple en général ou le couple toi et moi? Le couple en général, c'est toi et moi. On va commencer classique. Donc, comment est-ce que nous nous sommes rencontrés? Simple, tu connais. Je vais tout vous dire. Alors, en fait, comment ça s'est passé? Il y a une meuf. En fait, c'est un petit garçon, il s'appelait Adrien. AD, tout le monde l'appelle AD. Il faisait un city, il faisait un foot, tranquille, hein. Il faisait un foot et tout, au city derrière le lycée. Et il y a une petite, elle s'appelle Vanna. Et elle était là avec ses copines à regarder AD jouer au foot. Tellement il était beau gosse, elle a flashé sur lui. Elle était là, elle lui a envoyé des DM sur Twitter. Déjà c'était Instagram. Elle lui a envoyé des DM partout. Insta, elle l'a stalké et tout. Oui, je lui voyais pas, tu connais. Elle arrive au lycée. On s'est rencontrés, on était potes. Je me suis rendu compte que c'était elle qui m'envoyait des messages à l'ancienne. Et vous connaissez, ouais, je sais, c'est fait comme ça. La story time, on va vous la mettre en raconte tout en détail. Ok, donc ça va, je suis assez satisfaite de cette réponse. Ouais, bah pas la maintenant, ouf. Si demain on sort pour manger, où est-ce qu'on va manger? À la pataterie. À la pataterie cash. C'est pas une chaîne de restaurant qui est connue en Ile-de-France, enfin qui. Ouais, qui est pas connu en France, mais dans le nord, jure, là où on habite. Ouais, c'est un resto avec. En fait, c'est un resto de paysans, genre. Il y a des fourches et tout accrochées sur les murs. Il y a des vachettes, il y a des pelles, il y a de tout. C'est un truc vraiment de campagnard. En fait, il y a tout ce que j'aime. Il y a des pommes de terre, du fromage, du jambon cru. Vraiment, je crois qu'on a dû se faire une dizaine de dates là-bas. C'était quand la première fois que tu m'as dit je t'aime? La première fois que je lui ai dit. C'est la première fois où on s'est fait un bisou, c'était devant le cinéma. Et tu connais, il y a le moi, après je dis moi. Si tu dois me faire un gâteau pour mon anniversaire, qu'est-ce que ça va être comme gâteau? Alors là, si tu me cuisines un gâteau pour mon anniversaire, qu'est-ce que je veux que ce soit comme gâteau? Elle, c'est quoi déjà? C'est du chocolat. Il n'y a pas de fraises, framboises, pommes de terre, ratatouille, chocolat. Ensuite, moi, je dirais que ce serait un fondant au chocolat ou sablé au chocolat. Un sablé au chocolat? De quoi? Un sablé au chocolat? Mais ouais, mais ce que tu me fais acheter là, à chaque fois, dans ma vie, c'est un sablé au chocolat. Si. Non. Sablé au chocolat. Moi, je dis, un gâteau, vous savez, qui croustille un peu avec du chocolat. Et comment ça s'appelle? Un croquant chocolat. Oui, mais ça a un nom spécial. Croquant, donc, ça s'appelle un... Un cracot chocolat. Un craquelin. Un craquelin. Moi, je voudrais mettre le gâteau ici pour que vous ayez une idée. Mais oui, c'est ça. Mais bof, hein, parce que t'as dit un truc. Mais ce serait quoi, toi? C'est ça, un craquelin. Mais t'as genre. Mais moi, je connais pas aussi les termes. Où tu penses que je suis le plus talentueuse? La musique. Ouais, c'est ça. La musique, elle a une voix de ouf. Regardez, on va vous mettre un extrait là. Ouais, c'est le chant. J'adore chanter. Ouais, vraiment, c'est le chant parce qu'elle a une voix de ouf. D'ailleurs, là, je suis en train de songer à faire une vidéo où on va faire chanter Vanna en studio. Et le but de la vidéo, c'est qu'elle atteigne 1 million de vues pour qu'elle se fasse reconnaître et qu'un label la signe. Parce qu'elle est timide, elle veut pas faire des concours. J'en ai déjà fait un concours en plus. Cite-moi une nourriture que je n'aime pas. Simple de ouf. C'est trop simple. Next question. Vas-y, réponds. Next question. Vas-y, réponds. Le gingembre. Oui, mais c'est pas une nourriture, c'est un aliment. Non, c'est une nourriture. Non, mais une nourriture.
Mais non, mais une nourriture. C'est une nourriture, le gingembre. Une nourriture, c'est un groupe d'aliments. Il y en a avec graille du gingembre. Non, ça c'est un aliment. Moi, je te demande une nourriture que je n'aime pas. Le poisson. Voilà, tout ce qui est... Tout ce qui est fruits de mer. Exactement, je déteste. Elle déteste. Et la vérité, le gingembre. Si vous aimez pas les fruits de mer, mettez un commentaire. C'est dégoûtant. Mais tout le monde aime bien le poisson, c'est trop bon le poisson. Non, j'aime pas. Les poissons, les sushis. Blah. Ah, les sushis, j'avoue. Fruits de mer, sushis, tout ce qui sort de la mer, en fait, j'aime pas du tout. Est-ce que je suis plutôt une personne du matin ou une personne de la nuit? Toi? Moi? Who else? Toi? Moi? T'as là des périodes. Ah, t'as grave des périodes. Comment moi, je dirais plus. En vrai, t'es plus une personne. Toi, t'es plus une personne du matin. Ah bon? Parce que pourquoi? Elle. Que... En fait, quand je t'ai rencontré, tu vois, tu te couchais tout le temps tôt. Mais vraiment, tu vivais pas la nuit. Moi, je suis un gars de la nuit. Non, mais écoutez, hein. Pour lui, tôt, c'est se coucher à minuit, 23h. Alors que moi, j'allais en cours. Lui, il allait pas en cours. Ah, si tu vois ça comme ça, ouais, c'est une personne de la night. Tu vois, t'es une grande fille, tu te couches à minuit. Non, mais en mode. Non. Est-ce que je suis quelqu'un qui est plus productive ou présente la nuit ou plutôt le matin? Genre en mode. Ah, là où je vais avoir le plus de motivation. Non, c'est la nuit, t'es une flemmarde le matin. Elle a du mal à se lever. Je sais pas, je suis. Ouais. Non, si pour moi, t'es une meuf de la night. Ok. T'es une meuf de la night. T'en penses quoi, toi? Moi, je suis pas une meuf du matin, en tout cas. Ouais. Mais, quand j'ai mes objectifs pour le lendemain, je me lève tôt et je suis grave motivée. C'est que à ce moment-là que je suis matinale, mais sinon, je suis. Et tu les as souvent, les objectifs? Bah, en ce moment, y'a rien. Hein. Mais demain, je vais me lever tôt parce que j'ai rendez-vous. Mais voilà. Quoi que je rigole. Est-ce qu'on a une chanson à nous? Et si oui, c'est laquelle? Vous deux, vous êtes tellement beau. Vous deux, vous êtes tellement beau. Je connais que ça, mais je crois que c'est. Nous, c'est Bangs to Bangs 2 de Nino. Mais MDR! Ouais, je sais. Bangs to Bangs 2 de Nino, c'est notre son à nous deux. Non. Vas-y, zéro. Vas-y, on passe. C'était nul, toi, vas-y. Mais t'aurais dit quoi? T'aurais dit quoi? À part Bangs, moi, Bangs 2 et Piano. Moi, j'aurais dit. Comment ça s'appelle là? La chanson de Sensei qu'on écoute. Non, pas Sensei. De chez Skol Emerald. Qu'on écoutait tout le temps au début. Ah. Toi, t'as pas de tube, ça, moi. Celle-là, on écoutait t'as tout le temps. Tube, et c'était la musique qu'on écoutait tout le temps. T'as pas dit, tu vas me remplacer sans jamais regretter. Mais après, une fois que ça a réparé. Alors, je suis devant Netflix et je suis en train de chill. Ok. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que tu vas manger? Tu vas manger un gros pot de Ben & Jerry's cookies. Ah, elle en a mangé 4 en 2 semaines. En vrai, moi je suis pas une meuf qui mange devant les télévisions et tout. Hein. Mais la seule chose que je peux manger, la seule chose que je mange, Ben & Jerry's cookies. C'est ça. 3,49€. Non, 4€. 4€, je sais pas moi. Pour l'instant ça va, j'espère. Mm-hmm. Dites en commentaire si pour l'instant je fais une bonne route, fausse route. Écoute la question. Mm-hmm. C'est quoi mon habitude la plus bizarre? Mon habitude la plus bizarre. Il y en a tellement. Ton habitude la plus bizarre? Non. C'est quoi? C'est elle va à la douche, elle prend pas de serviette, et à chaque fois, elle se met à la porte à faire rien. Tu peux me donner mon peignoir? Mais c'est pas une habitude bizarre ça! Elle aime bien faire caca à la porte ouverte. Ah oui! Ça me dégoûte hein! La vérité ça me dégoûte. Mais elle fait caca à la porte ouverte. Pour se rassurer, je sais pas, la peur et tout. Elle fait caca à la porte ouverte. Je parle hyper sérieux. Viens, next question vite là! Vas-y, on passe! Next question vite là! C'est quoi mon surnom? J'en ai plusieurs. Alors il y a B, il y a Nanou Namour. Mais non, pas Nana. Tes surnoms! Pas tes surnoms que tu me donnes, mais sinon. Il y a Vanou, il y a Nana, il y a Vanaya, Vayana, Vanaya, il y a Bouboul, il appelle oui. Bouboul son père, Gros Joue. Et en malgache, c'est quoi mon surnom? Bouchitou! Non! C'est quoi? Dis dans l'oreille. Mais ah bah justement, c'est toi qui te vas dire! Non, t'en prie. Oh, Bouch! Bouch! Ça commence par bou. Vas-y, c'est bon, t'es nul. C'était quoi? Bouille. Pour ceux qui sont malgaches et qui comprennent. Bourri. Enfin, bourre. T'es bourre. En gros, parce que j'ai le visage rond depuis que je suis toute petite et mon père il m'appelle. Il y a des malgaches dans le chat là?
dans le chat. On arrive bientôt à la fin. Qu'est-ce que j'ai pas demandé? C'est quoi la couleur de mes yeux? Exact. La couleur exacte de mes yeux. Marron, émeraude, perle, couleur serpent, un peu obsidien. Vraiment dans les yeux? C'est quoi? Bah vas-y, dis. Non, vraiment dans les yeux? Non. Vas-y Adrien, t'es chiant là, c'est quoi? Mais... Adrien! Vraiment dans les yeux. Marron clair. Bon, zéro, il a zéro. Marron clair. Mais j'ai pas les yeux marron clair du tout, j'ai les yeux marron foncé. Mais ils sont hyper clairs tes yeux, rapproche-toi un peu de la ring light. Il a les yeux plus clairs que moi le gars. Non. Regardez, il a les yeux clairs. Moi j'ai les yeux limite noirs. Ah ouais. Là on va voir si t'es un boss de boss de boss. Où est-ce que je suis née? Faut être précis. Paris. Précis ça. Je suis née à Paris mais il faut être exact. 14. Non, t'as une dernière chance, après c'est 0. 1, 2, 3. 18ème. Ouh! C'est quoi la chose que tu préfères chez moi? Tes yeux marron clairs. Ce que je préfère chez elle, c'est son enthousiasme. Sa façon de penser. Attends quoi, Rodier? Sa façon de penser. Ma façon de penser? Mais c'est quoi ma façon de penser? En mode, elle est toujours positive. C'est la, le genre de meuf, elle est toujours de bonne humeur. Jamais lunatique. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, vas-y, continue. Jamais lunatique. La meuf, toujours. En fait, elle, c'est comme ça. Il n'y a jamais des montagnes russes, ça va pas. Elle, c'est toujours de bonne humeur, elle est contente de te voir, tu sais, elle se lève du pied. Elle se lève jamais du pied gauche. C'est ça que je préfère chez elle. Vraiment. Adrien, t'as vas-y, zéro, c'est bon. En fait, pour ceux qui n'ont pas compris, ils se foutent de ma gueule, c'est tout le contraire. Non, c'est vrai, hein. Encore ce matin, elle m'a dit, oh, c'est toi. Tout matin, toujours tu te lèves, t'es énervé. Encore ce matin, elle m'a dit ça. En fait, si je dis, ce que je préfère chez toi, c'est le fait que tu sois gentil, t'as la main sur le cœur, c'est nul et c'est éclaté au sol en vrai. Bah c'est une chose, y'a pas besoin d'inventer des choses. C'est le fait qu'elle ait la main sur le cœur, alors en vrai de vrai. Quelle est la chose dont je pourrais passer des heures à faire? Je pourrais passer des actuellement heures là, se maquiller. Franchement, se maquiller, elle pourrait le faire de 8h du mat à 8h du mat le lendemain. Se maquiller, se démaquiller aussi. On va le faire de 8h au lendemain. C'est important. Et à part se maquiller et se maquiller, faire à manger. Ouais, de ouf. Faire à manger, elle pourrait le faire vraiment de 10h à 20h. Bah, et elle le fait des fois. Respect. Et aussi ce qu'elle pourrait faire. J'ai une petite. Ce qu'elle pourrait faire aussi en plus, c'est me regarder, me contempler, m'admirer. Me contempler. Qui est ma meilleure amie? C'est moi. C'est moi sa best friend. C'est moi. C'est moi et que moi. C'est moi. C'est pourquoi c'est toi qui? C'est moi sa best friend. C'est un qui? Tu veux que... Mais il n'y a même pas de pourquoi c'est moi. C'est ta best friend. C'est toi? Ouais. Non, en vrai c'est toi qui réponds. Tous ses secrets. Si elle va pas bien à 4h du matin, qui va être là pour elle? C'est moi. Quand elle a des bas émotionnels, qui est là pour la prendre dans ses bras? C'est moi. Quand à la fin, et qu'elle me dit, attends, tu peux aller me chercher à manger? Qui va au champ lui chercher des glaces, des Ben & Jerry? C'est moi. C'est moi sa best friend. Si je fais tout pour elle. Quand la meuf a la soif, qui va lui chercher une bouteille d'eau en bas à la cuisine? C'est moi. Là, ça va m'énerver parce que c'est moi. C'est moi ou pas? Oui, c'est toi. Bah oui. En vrai, le terme meilleur ami, je sais pas. Bah, par contre, je sais qu'elle a un groupe d'amis, c'est ses meilleurs potes. Mais sa best friend un peu au-dessus, genre c'est moi, un peu beaucoup genre. Le terme meilleur ami, je sais pas, genre... j'ai pas une amie. En fait, j'ai des sisters, j'ai des sœurs. Ouais, c'est vrai. Après, voilà, ouais. Ah, j'avoue, il y en a beau. En vrai, elle c'est quoi? Elle a ses sœurs. Et je vous jure, il y a des gens qu'elle voit peut-être... même moins d'une fois tous les deux mois. Et je vous jure, elle les conserve comme ses sœurs. Parce que quand elle se voit, j'avoue, c'est la chimie pure. Elles se reconnaîtront. Si j'étais un animal, quel animal je serais? C'est quoi une tantouse? Ça existe même pas. Je rigole. Franchement, tu sais, tu serais quoi? Comment elle s'appelle dans Madagascar? Gloria, c'est quoi ça? Va. Non, je rigole. Attends, parce que en vrai, mais moi j'ai pas la réponse.
Moi je l'ai. Donc je t'écoute. Moi je l'ai. Honnêtement, je pense que ce serait un Rottweiler. Pourquoi? Vous savez, les Rottweiler, quand ils dorment, ils sont tout mignons et tout. Dès qu'ils se réveillent. Un Rottweiler. Ok. Mais ça pourrait être aussi un dauphin parce qu'elle est très intelligente. Et les dauphins sont très intelligents. Ou après, ça pourrait être aussi. Ouais, je peux être tous les animaux en fait. Un chaton. Non. Parce qu'elle est trop mignonne. Mais c'est surtout un Rottweiler. Résultat de ce boyfriend tag, les réponses ont été dans la plupart plutôt satisfaisantes. Plutôt satisfaisantes. Même si sur des questions je l'attendais et que voilà, c'est pas trop ça. En vrai, la chose qu'il préfère chez moi. En vrai, vous êtes pas déçus de mes réponses, ça va non? Pour un copain genre. Ça va, t'es un bon copain. T'es un bon copain. Pour finir, j'espère que ça vous a plu. En gros, voilà, si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu. Dites en commentaire. Si c'est un bon copain. Si je suis un bon copain. si c'est pour me critiquer, s'il vous plaît, commentez pas. Bon, en tout cas, les gars, on va essayer de revenir sur YouTube plus régulièrement. Ouais. Normalement, ça va être tous les dimanches. Mais en fait, ce qui me saoule, c'est juste de tourner toujours dans la chambre. Un peu plus. Ouais, en fait, c'est ça, parce qu'on est confinés. Et du coup, on peut faire que des face cam comme on ça. On peut même plus faire de vlogs. On peut pas faire de vlogs. Dans deux semaines, les vlogs, ça revient. Cache. Voilà, on va essayer de faire mmh. Mais pour l'instant c'est entre guillemets le seul contenu qu'on peut vous offrir des face cam. Bon, après on est toujours là avec de la bonne humeur, donc voilà, mais sachez que en ce moment c'est difficile parce que chez nous il y a encore le coronavirus qui est venu. Donc Adrien et moi on est resté enfermés pendant 2 semaines plus et dans là, la chambre, et là encore 10 jours. Et donc voilà, l'ami, ça nous a fait plaisir de faire ce tag. On espère que la vidéo vous aura plu. Ouais. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dimanche prochain. Mouah.